Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la série Pokémon version Saphir. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. On se retrouve donc pour ce nouvel épisode, toujours eh bien devant la grotte Tréfonds où je vous avais laissé la dernière fois. Enfin à peu près, puisqu'on s'était plus laissé en fait à la maison des pièges. Donc je dis n'importe quoi, très bien, c'est pas grave. On avait fait la dernière fois sur l'épisode numéro 20, l'épisode Facecam si vous vous rappelez. J'espère d'ailleurs qu'il vous aura plu puisque je tourne à peu près cet épisode à la suite. Enfin quand même pas à la suite, une bonne heure et demie après on va dire. Donc du coup comme vous pouvez le voir mes Pokémon sont toujours au même niveau. Et petite différence si vous les remarquez c'est normal. Parce que ma sauvegarde a bugué entre deux épisodes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une heure et demie entre les deux épisodes. C'est que j'ai dû me retaper tout ce qu'on a fait dans le dernier épisode tout simplement. Sauf la maison des pièges que je referai en off. De toute façon ça change pas grand chose. Je viens de gâcher un repousse, c'est pas grave. Du coup on va tout de suite aller chercher eh bien notre voilà, très bien. Oui je veux. Je veux. Voilà c'est prêt, obtenu Grelocoque, qui est un très bon objet. Garde-en. Garde-en pour un Pokémon, il va adorer ça, c'est sûr. Quoi, le carillon du Grelocoque? Sublime. Tu peux avoir ces ingrédients tous les jours, alors je peux en faire plus. Ah, vraiment? Ah, mais je reviendrai plusieurs fois, alors. Ça, y'a pas de soucis, mon grand. Ça, y a pas de soucis. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai bel et bien dû tout recommencer et c'était très chiant d'ailleurs. Donc tout de suite les amis, nous allons aller à Algacia. Alors oui j'étais... Bon, pour le RP, vous ne l'avez pas vu quand j'y suis allé normalement. Donc pour le RP on va y aller normalement, voilà. Bon c'était pas long. Oh waouh, quelle rapidité Arthur, tu es déjà à Algacia. Non voilà, donc on est à Algacia et du coup... Et du coup, aux alentours d'Algacia, tu peux voir des Welmer sauvages. Ça s'appelle... c'est comment déjà? Attends. L'observation de Welmer. Waouh! Pour quelqu'un qui m'impressionne. Alors, bonjour. Mon petit frère dit qu'il aime bien chez les bases secrètes des autres. Ok, donc lui, c'est celui qui te rappelle où est ta base secrète. Ok. Oh, Pierre! Arthur! Oui, c'est chez moi. C'est un peu gênant que ce soit aussi vide ici. Oh tiens, tu devrais prendre cette CS, elle contient plongée, je l'ai déjà apprise à mon Pokémon. CS8, plongée les amis, c'est très bien. On va faire l'arène aujourd'hui, hein, si vous vous posez la question. Quand tu utiliseras Surf, tu verras des zones d'ombre plus sombres. Utilise plongée, si tu es au-dessus des profondeurs, tu iras au fond de la mer. Si tu veux remonter à la surface, utilise plongée à nouveau. Cependant, à certains endroits, il ne sera pas possible de remonter. Très bien. Merci Pierrot. Bien, et du coup, tu vas avoir disparu. Pas du tout. Ok, bien, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Sac, plongée s'il vous plaît. On va la prendre à la gonde tout de suite, de toute façon on n'a pas trop le choix, elle est nécessaire pour la suite. Plongée s'il te plaît. Et ouais, je peux que la prendre à la gonde et ça me gêne un peu. Ça me gêne pour la simple et bonne raison que je n'ai que des attaques que j'aime bien. À part Bélier, je n'aime pas Bélier. Voilà, donc c'est la bonne occasion de lui enlever. Faudrait que j'attrape un autre Pokémon haut par contre pour tout ce qui est de faire cascade, parce qu'il y a cascade à un moment. Spoiler, mais enfin voilà, je vous le dis quand même, j'attraperai un autre Pokémon haut à ce moment-là. Parce que parce que c'est nécessaire. Ok, je suis catégorique là-dessus, il aime bien les Pokémon bleus. Les Pokéblocks bleus. Ok, très bien. Ils sont soignés les Pokémon d'ailleurs. En parlant de ça, non, ils ne sont pas soignés. Donc avant d'aller faire l'arène, évidemment qu'on va aller les soigner. On va laisser Galégonde Vent, du coup, pour tout ce qui est des dresseurs de l'arène. C'est une arène de type psy, spoiler, mais c'est pas pour longtemps, donc on s'en fout. Et puis voilà, épisode court, normalement, je vais pas faire trop long. Je vais m'en tenir aux 30 minutes, voire même moins, parce que je... Voilà. Je n'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc du coup, on est parti. Alors, bonjour. Déjà, ça commence bien. L'issue du combat dépend du mental. Les faibles d'esprit ne gagnent jamais. Donc voilà, vous le voyez, l'arène, c'est des flèches. Et vous savez très bien que je déteste ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va s'en sortir. Niveau 37.
Ouh, le champion va être dur. On n'est clairement pas au niveau. Et pourtant, j'ai fait tous les dresseurs qu'il était possible de faire. Hein. Bon, c'est pas grave. Kalia bloque les capacités de l'adversaire. Très bien. Tu n'as pas griffé assis, apparemment. Tac. Voilà. Parfait, 34. Niveau 34, c'est parfait. Kinesist Polo. Très bien. Polo Terrorita. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup... Bonjour. Le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as vécu, fais-moi voir tout ce que tu as appris. Oh, on sent qu'on est dans les dernières arènes quand même. Kinésiste Myriam, très bien. On voit Kadabra et ils sont vraiment beaucoup plus haut niveau que nous. C'est pas parce qu'elle avait un seul Pokémon, hein, c'est vraiment... imitation. Que veux-tu faire? Copie fermeté de Man of Steel. Ah, d'accord, donc on peut pas le tuer en un coup. C'est pas grave. Man of Steel a fermeté. Ah, je ne le savais pas. Ah, je l'ignorais totalement même. Bon. Là, on peut le one-shot. Là, on peut le one-shot. Ouais. Parfait. Avec notre augmentation d'attaque. Et du coup, on va laisser Man of Steel. Par contre, ouais, sa griffe acier, c'est ultra cheaté une fois qu'il l'a placé. Hein. Parce qu'il peut augmenter de, il peut augmenter d'attaque. Et c'est vraiment une attaque puissante qui plus est, donc ouais. Oh oui, le one-shot, j'aime. J'aime ça. Tu t'es frayé une fois dans la grandeur. Oui, merci, je sais. C'était pas la peine de me le dire comme ça. Bon, alors du coup, on aurait pu faire ça un peu plus pacifiquement. L'effet de repousse se dissipe, on s'en fout un peu maintenant. On s'en tamponne le coquillard, comme qui dirait. Alors du coup, bonjour. Je viens pour un petit combat. Hé, regarde-moi soulever une Pokéball par télékinésie. Ah, je suis parfois désynchronisé. Ah bon? Voyons voir. Alors. Man of Steel. On va l'envoyer. Du coup. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Glyphacie, on reste là-dessus, je pense. Ça va pas trop mal. Ah ouais, la pression, par contre, ça va pas trop me plaire, même si ça reste... Bah, ça fait du efficace normal. Quel que soit le Pokémon, me semble-t-il. Ah ouais, par contre, Ténèbres, normalement, ça va faire du... Du normal. Ouh, ça fait mal, ça. Et ça... Ça attaque du nombre de niveaux du Pokémon, je crois, du coup, Ténèbres. N'est-ce pas? Ça doit être ça. Girafarig est envoyé. Girafarig. Girafarig... Girafarig, ouais, on va pas changer. On va l'emmener au niveau 35 et puis on changera. Pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts. On est vraiment puissant avec Man of Steel, donc il n'y a pas de raison de changer. Hop. Ah oui, non, là c'est. Man of Steel prend attaque pressionce en plus. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est bon. L'écrasement est type normal. Ça devrait le faire. Écrasement, si tu veux. T'as bientôt terminé de toute façon, mon petit Girafarig, donc ça va mal se passer pour toi. Voilà. Comme ceci. Du coup. Du coup, du coup, du coup. Et il va pas tarder à changer de niveau, du coup. Non, je veux pas changer de Pokémon. C'est pas la peine. Soin, si tu veux, mon grand. T'as tous tes PV, donc... Il perd un tour, c'est dommage pour lui, c'est dommage que l'IA soit mal faite comme ça, ça gâche quelque peu les combats. Si tu veux fermeter, moi, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est fini quand même. Je ne t'ai pas tué en un coup, que je sache. En plus de ça, il augmente son attaque à la fin, tu sais, genre pour te dire, bon, au suivant. Next, please. Voilà. Bon, bah du coup, on va continuer avec Man of Steel devant. Pour la simple bonne raison que c'est lui qui évolue niveau 42. Ah bah non, du coup, je vais le faire évoluer en dernier. Simple logique, je le ferai évoluer en dernier du coup. On va mettre bout devant. Hop, pas besoin de passer par le centre. On y passera quand même avant le champion. Hein. Je tiens à le préciser. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là du coup? Bonjour. Je vois ton avenir. Si tu réussis à me battre, je te prédis ton avenir. Très bien. Je veux que tu me prédises mon avenir. Un combat est lancé par Kinésiste Samantha.
Zatu est envoyé. Très bien. Zatu, ouh, ça fait mal. Pas tant que ça en fait. On a laser glace. Vous allez voir, il y a une petite subtilité pour le champion si je vous en ai pas déjà parlé. J'espère que je ne vous en ai pas déjà parlé, sinon je me maudis intérieurement. Si tu veux, t'auras pas le temps, mon petit Xatu. Donc qu'on se le dise honnêtement, voilà, laser glace, et puis c'est terminé, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Ah, bon, en plus il va passer niveau 37, du coup, notre loup. Parfait. Je sais même pas si on aura besoin de se soigner avant le champion. Parce que vraisemblablement, le champion va être facile, je vous le dis honnêtement. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut modifier quelques trucs dans le séquençage des... Alors déjà, on modifie ça. Est-ce que là-bas, c'est modifié? Je ne sais pas, mais on va le faire quand même. Très bien. Bon, ça n'a rien modifié là-bas. Ce n'est pas forcément pour nous plaire. Ah, voilà. Parfait. Merde, c'est ça qu'on voulait. Et maintenant, on peut pas aller là. Très bien. Ok, donc nous, ce qu'on veut... Bon, en fait, ce qu'on veut, c'est aller là-bas. Donc, hop, hop, et hop. Ah, très bien. Oui, la petite subtilité de la fin, sinon c'est pas drôle. Si tu perds contre moi, ne sois pas trop sévère avec toi-même. Ce n'est pas que tu sois faible, c'est que je suis trop fort pour toi. LOL. Allez, on va voir. On va voir, My Grand, si t'es trop fort pour moi. Mais ça m'étonnerait très franchement au point où on en est. Du coup. Bah, plonger, on va essayer de plonger, tiens. Une attaque en deux temps. C'est très sympa, je trouve. Du coup, ça fait mal. Et Tarzan qui a pas une défense extrêmement spéciale. Va nous. Voilà. Voilà. Justement, il a une très bonne défense spéciale, mais il a pas une défense, une défense normale très puissante. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi si j'ai légèrement cafouillé. On va dire ça comme ça. J'ai la stratégie d'enfer pour le champion, vous allez rien comprendre. Vous allez rien comprendre, ça va prendre 2 secondes. J'ai la stratégie dans ma tête, c'est bon. Le champion, je vais en faire qu'une bouchée. Ça va être violent, ça va être peut-être le premier champion où on va aussi bien... Non, on avait eu Voltaire aussi comme ça, mais... Voltaire, ça commence un peu à dater, il est temps de refaire un massacre. Parce que je vous rappelle que contre Adrian, on avait eu du mal. Contre Norman, on avait eu du mal. Et surtout contre Alizé, ça s'était joué à 12 PV près, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Donc là, pour le coup, il est temps de rendre quelque chose de grandiose, une très bonne copie. Bonjour. Montre-moi ton talent, avec plaisir. Alors, Tarsal, du coup, il nous reste 58 PV, ça devrait largement suffire. On va envoyer un petit sort dans ta tête. Ça devrait te faire du bien, voilà, prends de l'eau, bois, c'est très important de boire. Bou a gagné 540 points d'XP, très bien. Kadabra va être envoyé par Kinésiste Virgile. Kadabra qui devrait peut-être nous donner assez d'XP pour passer au niveau suivant, ce qui est sûr, c'est qu'en sortant de cette arène, voilà, du coup je me trompe dans le mauvais sens. Bou sera de niveau 38, sans trop d'hésitation, on peut le dire. Voilà, 1117 points d'XP, c'est parfait. Tu as un talent spectaculaire, merci. Du coup, sac. On va utiliser une petite potion max. Allez, non, on se fait plaisir, si c'est bon. Voilà, la potion max, c'est fait, on l'a envoyé, voilà. De toute façon, on pourra s'en racheter, on est riche. Je vous rappelle que je n'ai pas du coup acheté toutes les merdes que j'avais achetées dans le précédent épisode. C'est ce qui fait que Fixette a toujours d'ailleurs 83 PV. Que faire de plus? Eh bien, dire tout simplement que nous sommes partis pour le champion. Voilà. Et là, cette fois-ci, normalement, c'est bon si j'ai bien activé l'interrupteur. Je ne l'ai pas activé, très bien. C'est bien ce qui me semblait. Je me disais, j'ai oublié un truc. Voilà, bon.
aussi, il n'y a pas de gros danger, on va dire. Alors, du coup, allons-y. On est donc parti pour le champion. Il faut d'ailleurs que je change un peu l'ordre de mon équipe avant de le faire. Vous allez vite comprendre, les amis, le champion d'arène. Ouh, ça va être bon. Ouh, ça va être bon. Alors, ordre, on va mettre Piaf devant. Ouh, j'en tremble. Ouh, j'en tremble, ce combat, il va être bon. Un combat en duo, les amis, vous l'avez compris. Combat en duo contre deux championnes, donc, du coup. Eh, hey, hey, ça te surprend? Ah, ça te surprend? Qu'il y ait deux champions, qu'il y ait deux champions. On est jumeaux, on est jumeaux. On n'a pas besoin de se parler, on sait ce que l'autre pense. Tout est dans nos esprits. La combinaison de nos... Tu peux faire face à ça? Oh oui. Oh oui. Parce que moi j'ai aussi une combinaison, les amis. Et cette combinaison va être meurtrière, je vous le dis tout de suite. Elles vont rien comprendre. Même si on est loin en dessous, il faut juste espérer un seul truc. C'est que Altaria agisse avant tout le monde. C'est la seule condition à notre réussite. Pour le reste, c'est qu'une question de victoire. Hypnose. Non. Non, 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 non. Ok, lance-soleil, si tu veux. Si tu veux. J'ai pas de souci avec ça, mon grand. Ok, donc il a pas agi avant. Ouh, si peu. Si peu, si peu, si peu. Attention. Attention. Je sais exactement sur qui il va le faire, évidemment, le lance-soleil. Ça paraît évident. Maintenant, il faut faire gaffe. Faut faire extrêmement gaffe. Alors attendez, est-ce que c'est bien Boo? Oui, Boo, Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Qui envoyait? Qui envoyait nous? Oh, j'ai fait la connerie. Oh, j'ai surestimé. Bon, ok, donc c'est pas si rapide que ça. On va même galérer, les amis. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout, si ce n'est que là, c'est le drame. Là, c'est le drame. On va sacrifier un Pokémon. Qui sacrifier? Non, pas Fixette, il va servir pour la suite. Psychopathe, il servira pas pour la suite. Ok, c'est bon, non, ouais, Psychopathe, c'est bon. Ok, très bien. On est bon, les amis. Hypnose, si ça te fait plaisir. Mais en fait, le surf a pas affecté Altaria? Oui, bon, ça, c'est, on s'en doutait. Mais le surf a pas affecté Altaria, très bien. Je m'en étonne. Je m'en étonne. Du coup, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On va rechanger pour Fixette. Oh, yeah. On va rechanger pour Fixette et nous on va faire aile d'acier sur Celeroc. Hypnose qui ne marche pas évidemment. Allez, Solaroc utilise Psycho. Allez, tu tiens. Ouais, c'est bien. Aile d'acier ratée. Ah, pas bon ça. Balombre sur Celeroc. Très bien, donc ça c'est bon. Ensuite. Aile d'acier sur Solaroc. Il est type feu aussi ou pas? Je ne me souviens plus. Ah! Je ne me souviens plus s'il est type feu ou s'il est type roche, mais ça ne change rien. Pierre Sandor. Ah, c'est pas bon du tout. Ouais, ça passe. Tout proche, les amis. Ce combat est pas si facile que ça. Ok, feinte sur Celeroc. Ça, il n'y a pas à broncher. Et lui, on va le changer. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas de mort dans ce combat. Hyper potion est utilisée. Oh non, 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 t'es sérieux. Ah, oh, c'est pas drôle. Psycho, si ça te fait plaisir. Ça fait mal quand même, ton psycho. Hein. Ok, très bien. Donc, ça, c'est bon, ça passe. C'est pas si mal derrière. Oh, derrière, ça va faire terriblement mal, les amis, le balombre. Le balombre plus surf. Zénith. Ah, pour faire un enchaînement. Pour faire un enchaînement direct avec lance-soleil. C'est raté, mon grand. C'est raté. Hop, le petit surf, comme on les aime. Super efficace. Ok. Fixette utilise ballon. Il est pas affecté par surf, je pensais. Je pensais que surf affectait tout le monde. Ok, donc il a rayonné. Va falloir faire très attention. Je ne veux pas perdre de Pokémon, mais si Boo est attaqué, on est sûr de le perdre. Mais quoi qu'il en soit, on a gagné le combat. Donc, on va le sacrifier quand même.
Lance-Soleil. Et ouais, c'était sûr. C'était sûr et certain. Bon, là, il a aucune chance de résister, c'est du x4 sur un niveau bien supérieur, donc non, il n'y avait aucune chance. Il n'y avait aucune chance. Hop, là, on envoie Usain Bolt, c'est pas le meilleur Pokémon à envoyer, j'en ai conscience. Mais au moins, j'en suis sûr, on va y arriver. Voilà! Le champion est vaincu, pas si facilement que je le pensais, mais... beaucoup plus facilement que les précédents champions, il n'y a pas à broncher là-dessus. Bien, les amis, on a gagné. Quoi? Notre combinaison a échoué? Tant pis, tu as gagné. Prends ça en récompense. Ah, tu reçois le badge esprit! Oui! Ah, c'est bon, ça fait du bien. Le badge esprit augmente l'attaque spéciale et la défense spéciale des Pokémon. Il permet aussi d'utiliser la CS plongée hors combat. Tu devrais prendre ça aussi. C'était 4. Plénitude? Ou un truc dans le genre? J'imagine. Plénitude, ouais, c'est bien ça. Elle accroît l'attaque spéciale et elle accroît la défense spéciale. C'est l'attaque parfaite pour les Pokémon du type psy. Ah, à voir si on la prend à Gardevoir. Éventuellement, faudra voir. En tout cas, les amis, on a notre 7ème badge. Oui, ça c'est cool. C'est cool. Et du coup, pour fêter ça, eh bien, on va rester. On va pas avoir d'action du coup dans cet épisode pour la suite de cet épisode. Bien évidemment, avec la CS plongée, si on suit bien l'histoire, on peut pourchasser la team Aqua, mais. Ils ne le feront pas dans cet épisode, je vous rappelle qu'on va faire un épisode court. Donc à la place, ce qu'on va faire les amis, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous rendre, pour commencer, on va aller aux deux dernières villes. Voilà, tout simplement, on va aller aux deux dernières villes, si c'est possible évidemment. Je ne sais pas si aller à Altanopolis est possible. Mais, ah merde, j'ai pas mis de... Ok, vous m'avez compris. Je ne sais pas si aller à Altanopolis c'est possible, mais on va tout du moins essayer de voir si ça l'est. Et quoi qu'il en soit, le but, les amis, c'est également d'aller... à Pacifiville pour finir l'épisode. On va visiter les deux villes. Alors, ok, la ville du 8ème badge est accessible normalement. Il n'y a pas de raison. Si on s'en rapproche... On les affrontera tous ces dresseurs une prochaine fois, bien entendu, les amis. Il n'y a pas à titiller. Alors oui, 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 c'est accessible, sauf que je vais... Pas grave, c'est pas grave du tout. Salut, petit môme, tu te bats contre moi? Oui, avec plaisir. Allez, viens. Viens, tu vas te prendre des méchants de tatane. Alors, Bou est envoyé. Bou qui est un peu... qui est soigné, on va soigner. Tout à fait. Je le savais. Alors Pokémon par contre on va changer, on va envoyer... Ben non, non, on va pas changer en fait, pas du tout. On ne va pas du tout changer, on va faire un petit tir debout. Voilà, ça devrait être assez efficace normalement pour que ça marche. Ok, la vitesse du bois sirène baisse si tu veux. Moi ça me fait plaisir. Hop, allez, si tu veux. Voilà, on va marteler la touche. Tous ces dresseurs là je les ferai en off pour le coup. Ils ne sont pas importants et on se rapproche assez rapidement de la fin en fait. Les 30 épisodes, je crois que je les ai un peu rêvés aussi. Ouais, je pense aussi. Je pense vraiment que j'ai rêvé les 30 épisodes. Parce que là, pour le coup, on se rapproche beaucoup de la fin. Mais alors, vraiment beaucoup. Bon, évidemment. Évidemment. Oh non. Pff, j'ai du bol. On va se dire, j'ai beaucoup de chance. Ouais. J'ai beaucoup de chance parce que, évidemment, s'ils foutent de la brume en dessous, c'est pas malin, tu vois. Est-ce qu'on peut... La porte est fermée. Hé hé ! Donc voilà pourquoi on ne peut pas faire le 8ème badge, les amis. On va quand même visiter la ville. On va visiter la ville parce que... parce que, tout simplement. C'est quand même la ville du 8ème badge, faut pas déconner. Elle est dans un cratère et comme je vous disais, eh bien, ça correspond à l'Atlantide. Salut, comment tu t'appelles? C'est un beau nom, moi c'est Joy. Mon papa et maman m'ont appelé comme ça parce que pour que je sois tout le temps joyeuse, c'est ce qu'ils voulaient. Tiens, prends-en une. Bem en goût. Ah, prends-en une. Claque dans ta face. Bien. Befigi. Ah, plutôt cool. T'as autre chose à me donner aussi? Toi, je me demande pourquoi tu t'appelles comme ça. Ah, bah il y a plusieurs raisons au fait que je m'appelle Arthur. Mais je ne vous les dirai pas dans cette vidéo, les amis. Bien. Alors, du coup. Ou alors, posez-moi la question en commentaire, peut-être que j'y répondrai. C'est le mec qui veut des commentaires. Bref, du coup. Qu'a-t-on ici? Ah oui, mais on a la... Ouais, on a la grotte... La grotte relique ou je sais plus quoi. La grotte origine, je sais plus quoi.
Attends, de quoi? L'esprit des Pokémon qui repose au Moria reprendrait vie ici. Il faut que tu partes. Ok. On peut pas y aller. Tu as fait tout le trajet jusqu'à Atalanopolis. Tu n'es pas comme les autres touristes. Mais je suppose que ça ne fait pas de toi un touriste d'exception non plus. Non. Pas encore, du moins. Si jamais je devais le devenir. Ah, une maison ouverte. Je suis resté 30 ans à Atalanopolis pour améliorer mes compétences. J'ai conçu une cité renversante, je te la lègue. C'était 31. C'est quoi? Casse-brique, un coup si terrible que je ne peux le décrire. Casse-brique, on essaiera de l'apprendre à un Pokémon parce que c'est vrai qu'on est en manque de... d'attaque bien, en fait. Bonjour. Tu es dresseur, non? Marc, le champion d'arène d'Atalanopolis, a de nombreux fans. Et toi, tu en as? Oui. Oh, quelle puissance tu dois avoir! Les fans dévoués viennent de... Les fans dévoués viennent même de Kanto et Johto. C'était la folie quand je suis allé au fan club des dresseurs à Ninukrik. Très bien. Donc j'arrive à parler, au moins c'est déjà ça. Très bien. Donc ça c'est fait, bonjour. Il semblerait qu'il existe un rapport entre Atalanopolis et le Mont Memoria. Avec mes amis, on a fait des recherches à ce sujet au labo où je travaillais. Très bien, et tu peux pas m'en dire plus? Mon grand frère étudie la mer. Bah c'est pas ce qu'il vient de me dire. Enfin, pas exactement, en tout cas. Il y avait un lien, j'imagine, mais... Enfin, ma foi. Allez savoir. Il n'y a pas un moyen d'aller là? Ou alors, j'y suis déjà allé, en fait, mais j'ai pas fait gaffe. Peut-être, éventuellement. Je ne sais pas. Mais oui, suis-je bête, on y est déjà allé, évidemment, on y est déjà allé. Allez, on va aller de l'autre côté, sur l'autre rive, et puis... Puis on va voir ce qu'on peut faire de l'autre côté. J'aime bien cette ville. Elle est vraiment bien, elle est vraiment cool. La musique est bien et surtout c'est la ville de la fin du jeu. Bon, on a quelques événements encore avant la fin du jeu. Rassurez-vous les amis. La fin du jeu n'est pas pour tout de suite, on va d'abord aller à Pacific Ville. Finalement l'épisode va dépasser les 30 minutes. Hein. Tu vas affronter Marco, vraiment quel courage tu as. Franchement. Maître Pokémon de type O, enfin maître Pokémon, champion des Pokémon de type O. Franchement, ça ne me fait pas plus peur que ça, qu'on se l'avoue. Mais on sait qu'il faut se méfier quand il y a des types comme ça. Va falloir faire très attention à ceux que l'on rencontre. Parce que pour le coup, Atalanopolis s'élève telle une ville dans le cratère d'un volcan. Quand tu lèves les yeux au ciel, tu distingues aussi le bord du cratère. Alors tout ce que tu vois dans le ciel, c'est un cercle. Mais c'est ce qui rend le ciel au-dessus d'Atalanopolis plus beau qu'ailleurs. Bonjour. Bonjour, vous êtes la première personne à venir chez nous depuis longtemps. Comme vous illuminez ma journée, je vous offre une grande poupée Walmer. Oui, une poupée Walmer, très bien. Poupée Walmer est transférée sur le PC, j'imagine. Bien. J'aime bien la musique, franchement elle est cool la musique de cette ville. Barloche, ok, j'adore les grands barloches. Mais c'est fou, tout le monde sait... Ah oui, je vois. Tu as un barloche? Fais-moi voir s'il te plaît. Non, j'ai pas de barloche. Tu connais le Pokémon Balignon? Il se fait rare à Atalanopolis. Moi j'adore les grands Balignons, plus ils sont grands et mieux c'est. Mon petit frère, il dit que les barloches sont plus grands. C'est pas vrai, les Balignons sont encore plus grands. Tu as un Balignon avec toi? Oh, fais-moi voir s'il te plaît. Non, j'ai pas de Balignon. C'est les barloches les plus grands. D'ailleurs. Grand fan de barloches, je déteste les Balignons. Plonger dans la mer, toujours monter et descendre les escaliers. Quand tu habites dans cette ville, tu finis par être musclé. Oui, j'imagine bien. Vu le nombre d'escaliers qu'il y a. D'accord. Bonjour. Mon Memoria. Au sommet reposent deux orbes, l'une à côté de l'autre. Tu le savais? Oui. C'est ça, deux orbes côte à côte. Les voir ensemble, c'est apaisant. Ouais, mais sauf qu'elles le sont plus trop, la mamie, donc... Alors, du coup... Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Il paraît qu'il existe, pas très loin d'ici, une vieille ruine dans la mer. Il y a peut-être là-bas des trésors qui ne demandent qu'à être découverts. Une vieille ruine dans la mer. Une vieille ruine... Est-ce qu'il parlerait pas de... Du truc des Reggie? Éventuellement, hein. Vous pensez que c'est ça?
Oui, on va utiliser plongée et puis on va sortir d'ici. Hop là, donc l'endroit on ne voit rien, comme on l'a dit. Du coup, tous les objets qui sont là aussi, bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage que le jeu bug, mais bon. Oui. Bon, du coup, on en est à 30 minutes. Mais on va aller... alors, le repousse s'est dissipé, hein, je vous le rappelle. Donc c'est pour ça que j'en réutilise un. Finalement, on a utilisé que 10 repousses depuis le dernier épisode. Alors par contre, le seul truc, c'est que pour aller à Pacifique, il faut sortir de la baie d'Atalanopolis. Voilà. Parfait. Ça, cet endroit-là, c'est pour plus tard, les amis. Non, pas ici. Je veux juste voir un truc. OMG. Bon bah j'imprimerai les plans, qu'est-ce que vous voulez. Non mais carrément là. Là du coup c'est l'impression là qu'il faut faire. Ah quoi que, attendez. On peut pas descendre ici, oh quel dommage. Oui mais enfin cet endroit là on y va ensuite de toute façon. Quoi qu'il arrive on vient ici. Parce que l'entrée de la grotte où on doit aller, de mémoire, elle est là. Ouais. Nous n'irons pas à Pacifiville aujourd'hui, les amis. On va s'arrêter là, maintenant qu'on y est. On va rester sous l'eau. On va le laisser se noyer, le petit Brice. Le petit Arthur, en l'occurrence. Mais on va rester sous l'eau, les amis. Et on se retrouvera la prochaine fois, ici. Pour le prochain épisode. Qui promet beaucoup d'action. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Dans quelques secondes, les amis. Attention aux images subliminales, ça peut impressionner. Sous-marin. Vous l'avez vu. Il y a le sous-marin. Nous sommes dans une caverne. Ce qui signifie donc que la Team Aqua n'est pas loin. Les amis, le prochain épisode va être grandiose. Donc moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.